Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une courte vidéo annonce pour vous dire que la semaine spéciale Call of Duty World War 2 numéro 2 commence dès aujourd'hui en l'honneur bien évidemment du DLC 2 The War Machine. Vous savez, j'ai l'habitude de le faire pour chaque DLC de Call of Duty depuis le DLC 1 d'Advanced Warfare, à chaque fois qu'il y a un nouveau DLC. Semaine spéciale, donc cette semaine du coup il n'y aura que du Call of Duty World War 2. Il y aura sûrement peut-être une à deux exceptions comme Fortnite dimanche, mais bon pour là on pourrait dire que la semaine sera déjà finie. Mais à part ça finalement voilà, il n'y aura que du World War 2. Donc concernant les let's play, ils seront tous interrompus, donc il n'y aura pas d'épisode du let's play sur Assassin's Creed The Curse of the Pharaoh, Assassin's Creed également Origins du coup sans DLC. Sur Batman non plus, il n'y aura pas du coup normalement d'Infinite Warfare, il n'y aura pas non plus de Star Wars Battlefront 2, donc les jeux voilà que j'ai l'habitude de vous proposer normalement, bah là, il n'y en aura pas, ce sera uniquement du World War 2, donc pour ceux qui adorent World War 2, bah je pense que ça vous fera plaisir, mais bah, pour ceux qui n'aiment pas, il faudra attendre la semaine prochaine pour passer à du contenu tout à fait basique et reprendre du coup le rythme de vidéo basique également. Donc du coup cette semaine bah, il y aura bien évidemment du coup un gameplay sur chacune des nouvelles maps multijoueurs, hein, donc les trois maps plus l'opération Husky. Il y aura également la vidéo détente tournée en deux parties que j'ai déjà tournée d'ailleurs sur The Shadow Throne. Peut-être qu'il y aura la vidéo fin de secret car j'ai réussi à faire le secret de The Shadow Throne, donc potentiellement la vidéo fin de secret sortira peut-être, mais je dis bien peut-être parce que ce serait préférable quand même de sortir celle sur The Dark Shore avant, mais pour alors il faudra faire le secret de The Dark Shore. Après il y aura possiblement également le petit passage au Prestige 9 et d'autres vidéos qui pourraient arriver. Là c'est vraiment selon les sorties qu'on pourrait avoir mardi en termes de nouveautés sur World War 2. Alors il y aura sûrement le mode de jeu guerre de territoire plutôt, qui pourrait sortir, donc 9 contre 9, hein, un mode classique. Il semblerait également qu'une nouvelle map pourrait sortir, c'est une map qui se déroulerait dans le QG. Alors ça je l'avais pas dit dans la vidéo information, mais il semblerait que ça pourrait sortir cette semaine. Donc si bien entendu ça venait à sortir, il y aura sûrement une vidéo qui arrivera dans la semaine sur cette nouvelle map consacrée au QG. Après si voilà il y a des nouvelles armes, du nouveau contenu, il y aura sûrement également un opening. Donc voilà, il y aura de toute façon pas mal de choses de prévues durant cette semaine, beaucoup de contenu sur World War 2 diverses et variées. Donc là, je pense que ça fera plaisir à ceux qui adorent ce jeu. Donc voilà, c'était la petite annonce de cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Et bah si ça a été le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça me fera extrêmement plaisir. C'est la petite récompense. Et on se retrouve du coup dans quelques heures pour le tout premier gameplay sur les maps du DLC 2 The War Machine. Je vous le dis tout de suite, on commencera du coup avec la map V2. Allez, sur ce, bye tout le monde! Ouh yeah!